Et bonjour, bonjour. Petite vidéo de Bansuki, de mon ami. Je vais vous la montrer. Elle se repose, elle est là. Voilà. Elle est là. C'est pas des bois. Elle est un peu fatiguée. Voilà, ils ont tous la grippe ici. Voilà un petit peu. Donc là, ils ont changé de porte. Donc la porte qui était ici, elle est au fond là-bas, en bois. Là, ils ferment. Là, comme je vous ai dit, c'est ouvert. Et c'est là qui va être la porte principale. Et on est en train, de travailler avec un Poyesai. Voilà. Et aujourd'hui, ferme ce coin-là. Voilà, le roi des agglos, c'est lui. Ici, on est en train de mettre de la terre. Voilà. Parce qu'on va... Enfin, ils vont couler du béton. Voilà. Je vous montre un petit peu. Regardez la chambre. Ah bah, petite fuite d'eau. Ne vous inquiétez pas. Ils vont tout regarder. Là, je vous avais parlé que la grand-mère, elle voulait pas enlever la porte. Et figurez-vous que j'ai parlé à la grand-mère. Et j'ai dit, ça serait bien de mettre une porte là. Il faut l'enlever, celle-là. Et elle m'a écouté. Alors, elle n'écoutait pas sa fille, mais elle m'a écouté moi. Voilà. Et voilà. Les balais, c'est dur, hein. Les balais, c'est dur. Donc, ça fait grand, hein. C'est très, très grand maintenant. Alors, ils vont vivre à 3 personnes ici. Et quand il y a les deux filles de ma copine, voilà, c'est 5, tranquille. Donc après, évidemment, là, ça va être fermé. Il va y avoir des améliorations, évidemment. Allez. Là, il devait avoir un escalier, finalement, ils ne le font pas. Ils vont mettre du béton, ils vont couler une chape. Après, ça sera carrelé, évidemment. Eh oui. Par contre, dans la salle à manger, ils auront, et ça ne les dérange pas, ils auront le PVC ici. Voilà. Eh ouais. Alors, je sais pas. Donc, je sais pas après s'ils vont l'enlever ou quoi. Je sais pas. Allez, faut y aller. PVC, hein. Mets pas l'ail. Donc, ils vont le laisser. Voilà, ici, c'est le coin. Ils ont posé le PVC. Voilà. La chasse d'eau, il n'y en a pas. Ça sera un bac avec plein d'eau et on remplira le PVC avec... à l'ancienne, voilà. Je cherchais le mot. À l'ancienne. Il faut que vous pensiez aussi que ces personnes-là ne sont pas millionnaires. Hein. Donc, ils ont fait, ça, c'est du gros travail pour eux. C'est un investissement. Pour faire tout ce que vous avez vu là, il y en a eu pour à peu près 1500 euros. Entre le matériel, les ouvriers, 1500 euros. Voilà. Donc là, évidemment, on arrose pour que la terre elle stagne, elle se tasse, voilà. C'était pas prévu et après petit à petit ils font des travaux en plus. Voilà. Là il y aura une terrasse évidemment pour eux. On va voir de l'extérieur. Comme ça vous comprendrez que quand je dis c'est grand. Voilà, donc ça fait ça. Regardez. Vous voyez, c'est vraiment grand. Et il y a le... En haut aussi, évidemment. Hein. Le haut, ils n'y vont pas, mais ils peuvent l'aménager. Ils peuvent, évidemment,
dormir, hein, pour dormir là-haut, comme eux. Voilà, ils gardent toujours, hein, et puis ils peuvent l'enlever, mais non, ils gardent, et c'est normal, c'est bien. Voilà, et ici, ça sera l'endroit où mon ami coupera les cheveux, parce que son mari coupe les cheveux. Voilà, regardez, on ne sera pas bien là. Le miroir en face, le ventilateur, le siège ici et en avant. Voilà, donc là aussi ça fait grand, c'est bien. C'est vrai que comme mon ami disait, c'était plus typique avant, mais bon, il faut un peu améliorer parce que eux ils vivent, hein. Vous venez en vacances et tout, mais après eux ils vivent ici et ça fait de l'air. Là, c'est vraiment, ça fait de l'air. Voilà. Mais elle va bien arranger. Vous inquiétez pas, vous verrez que c'est une personne qui travaille beaucoup. Là, elle est malade. Eh oui, eh oui, eh oui. Bon, allez, ils vont faire ces enduits-là cet après-midi. Et on se régale. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. À très bientôt.